reconnaître comme sauveur et Seigneur. Amen. Donc tu viens pour être guéri. Il vient pour être délivré. Mais Jésus ne l'intéresse pas. Non, il te délivrera pour le sauver. Ça veut dire qu'il te délivre, c'est pour le servir. Jésus ne te délivre pas pour aller dans le monde. Non. C'est ce qu'il dit aux gens. On les délivre. Et puis, ils ont l'impression que la situation demeure. Je dis, mais ça dépend de moment. Parce que Jésus même dit, si on chasse un démon, il va y rôde. Après ça, il revient. Vous comprenez? Un démon est chassé, il revient après. Maintenant, si ta situation n'est pas bonne dans le Seigneur, ça dit, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le démon, il va y chercher cet esprit plus mauvais que lui. Et il revient. Donc, le prophète a prié pour moi. Mais je constate que. Mais est-ce que toi, tu marches selon Dieu? Il a prié pour toi, tu te tournes dans les bars avec les proches de Dieu. Il prie pour toi, tu es partout, tu es stable. Il prie pour toi, tu es dans les drones, tu n'as fait d'escroquerie. Ça te dit rien. Nous ne sommes pas des prieurs. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Amen. Nous amener sur le chemin de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui délivre. Le seul pour vous délivrer. Vous venez pour avoir le miracle. Et l'auteur du miracle ne vous intéresse pas. Dieu te guérit pour que tu marches selon lui. Que tu sois dans sa parole. Amen. Donc il connaît ton cœur. C'est pour ça que tu vois d'autres miracles tard. Dieu met du temps pour certaines personnes, pour d'autres c'est rapide. Ça dépend de ton cœur, l'état de ton cœur. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est tout. Pas parce que Dieu est limité. Mais c'est tellement c'est toi qui limite Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Je vous ai dit que j'ai eu quelqu'un qui avait des papiers perdus en Europe. Il m'a appelé. Je n'ai pas le temps. Le juge n'est plus sur le Skype. Quand j'ai fini de parler avec lui, il a dit va sur ton lit. Il va avoir tous ses papiers perdus. Bon, mais il tremble. Il tremble. Je lui ai dit, j'ai ordonné un ange d'envoyer tes papiers. Parce que tu as cru à la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans le miracle. Dieu est dans le miracle. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera encore demain. Tout dépend de toi. Mais il dit, Amen. Tout dépend de toi. L'objectif que Dieu veut atteindre dans ta vie, c'est que tu aies Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et que tu sois l'ambassadeur de Jésus. C'est tout. Amen. C'est tout. Il faut que tu aies Jésus-Christ comme sauveur. Et Seigneur. Amen. Sinon, ce n'est pas crasso. Dieu te guérit. Et puis encore tu guéris. Mais tout dépend de toi. Mais est-ce que tu l'as réellement? Est-ce que tu es prêt à marcher? C'est tout ça, c'est important. Amen. C'est vrai. Oui, tu me blagues. Quand on aime une personne, qu'est-ce qu'on fait? Il dit yeux de Dieu là, c'est pas vous-même, c'est pas que Dieu là, c'est Gaïa. D'accord, on est yeux, il dit que comment est bon beaucoup. Ou bien? Allez, vous là. Oh, gars, ça y est, bon, vous m'y. Voilà. C'est bien. Je vous aide. D'accord, on prend la main. Il y a un réveil spirituel en Guinée. Les
peux pour aller au Guinée. Ben, là-bas, oui, une église, dans une église où il y avait déjà des pasteurs qui sont là. Donc, le réveil a commencé. Le Saint-Esprit descend dans la salle. Les gens parlent en langue. Le quoi? Voilà. Et il y a un responsable de l'église. C'est quand le Saint-Esprit descend, chacun s'élève pour confesser. C'est non parce qu'il est saint. Donc quand il parle, ça fait peur aux gens. Il a l'église, il a les fétiches, ça crie. Maintenant, celui qui est le responsable de tous les responsables, lui s'est levé. Je vais parler. Le pasteur l'a frappé. Le pasteur l'a frappé. J'ai parlé. Qui? On l'a frappé, on l'a mis dans le bureau. Vous pouvez pas scandaliser les gens. Le Saint-Esprit est terrible. Donc dans le bureau, laissez l'onction. Parle. Le Saint-Esprit, il faut parler. Il a commencé à confesser. Vous avez vu ce qu'il avait? C'est plus que sorcellerie. Il a un voisin. C'est-à-dire qu'on sait la clôture, notre clôture là. Et puis c'est la cour du voisin. Le voisin, il aime des poulets. Beaucoup de poulets. Donc lui, ça l'énerve. Il fait tout, il tue. Dieu bénit le voisin. Lui, il saute la clôture. Il va prendre les œufs qui sont sous la poule. Il ramasse les poules. Il fait bouillir. Puis il ramène. Donc la poule laisse les œufs comme neuf mois, comme une femme enceinte. Qu'on enlève, on remet. Lui, il va. Il ne doit pas enlever un sorcier. La nuit, on va le chat, il se clôture. Le fruit est venu bouillir. Le fruit est venu bouillir. Il fait bouillir. Il fait refroidir. Il fait un peu la sorcellerie. Il ramène ça sous la peau. Donc le voisin a fini par tuer ses poules. Le corps, on va vous dire. Déjà, le voisin, c'est lui qui les a fait. Il y a les péchés des gens, c'est plus que pour les sorciers. On ne va pas passer 10 ans à Sakamou. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne mangent pas la nuit, mais c'est qu'ils font là. C'est toi qui mangeais la nuit. Comment toi, tu dors pas aller prendre l'œuf? Ça te brûle un peu, tu fais le froidi. Le saute, le tue, saute. Dieu merci pour les autres, c'est sorcellerie. Mais les gens sont doubles cœur ici. C'est comme avoir. Nous, on va dire Seigneur, pardon. Non, ça va. C'est comme on va dans cœur là. C'est trop dangereux. Amen. C'est ça qu'il faut que Dieu nous aide. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Nous devons toujours présenter l'état de nos cœurs à Dieu. Donc, la première place que Jésus aimerait avoir, c'est notre cœur. Il aimerait asseoir sur le trône de notre cœur. Généralement, on ne veut pas lui céder ce trône. Sur le sang de notre volonté. Le sang de la décision. Tu en as ou bien tu n'as pas? Elle dit elle n'a pas. Donnez-moi les cartons, envoyez carton de Bible. Donne-moi un carton de Bible. Ah ouais, un carton de Bible là. Amenez Camille. Tu n'as plus parti là-bas. Je demande, tu n'as plus parti là-bas. Mais là, il me le faut, lui, il voit sorcier partout. C'est caractérisé par la jalousie. Il va avoir. C'est tout. Mais tu as dit, tu as Bible, tu es à la maison. Je demande, tu n'as pas allé à la maison. Tu n'as pas la maison.
n'as pas trouvé ta vie. C'est Priscilla, il veut. Priscilla fait comment? Bim, c'est Bim. Pourtant, là, c'est écrit en quoi? C'est écrit en quoi? En araméen. Pourquoi en hébreu? Voilà, je profite pour dire merci parce que j'ai distribué ça tout à l'heure à Bran. C'est une jeune sœur en Christ depuis la France.